Les fonctionnalités de console. J'avais pas fait attention à ça, bon, c'est pas grave. Ok, on a toujours nos classiques qui sont bien vendus. Bon. J'ai une solde libre ici. Ouais, au total, j'ai encore 10 pièces de libre. Donc ça va. En vrai, ça va. Alors, on va racheter encore quelques entreprises. De toute façon, on fait que ça. On accumule de l'argent et après on achète, on rachète. Hein. C'est ce qu'on fait à chaque fois. On commence par racheter des petits et puis. Ah d'accord, ok. Putain, vache, c'est. Rachète les offres pour le moment, non mais. Comment ça va être serré tout ça? Non, c'est pas ce que je voulais. Filiale. Bien. Niveau fan, on en est à 10 millions. 10 millions de fans. 2 millions de fans. Pardon. C'est pas mal pour. C'est pas mal pour une société française. Ah. Je galère un petit peu au niveau de certains stocks sur Project Fear notamment et Halo 4 là ça. Attendez, je vais en profiter, je vais regarder un petit peu parce que c'est. Ah oui. Ah oui. Alors on va juste mettre en pause une seconde. Je pouvais pas le mettre en soutien, non. Écoutez, tant pis. Hein.
Mais ouais, il y a beaucoup de demandes et je produis pas assez. Bah c'est pas grave, hein. Il y aura quelques annulations, mais de toute façon, du moment que c'est rentable, hein, moi je m'en fiche. Puis s'ils sont pas contents, ils achètent en démat. Après tout, je propose la démat pour ceux qui... Pour ceux qui n'arrivent pas à voir le physique. Par contre, le courrier du client, les courriers clients, je galère, hein. Parce que eux, ils sont encore là-dessus, eux, hein. Depuis, ça fait des années qu'ils sont sur le courrier client, qu'ils s'en sortent pas, les mecs, hein. Ah, ça y est, mes jeux classiques commencent à sortir. Enfin, commencent à sortir du marché. Faudrait que je ressorte trois autres classiques. Bon, c'est bon. Les jeux classiques sont sortis. Du coup, ok. Alors j'ai quoi là? J'ai Mass Effect. D'accord, Mass Effect, ouais, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Bien trouvé. Bien trouvé. Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Oh, mais... Oh, niquez-vous. Ouais, je disais que j'avais peut-être pas assez de robots le dernier coup. Peut-être que j'en remette un petit peu. Dans les couloirs. Le Spoutnik. Hop. On va en mettre quelques-uns. Allez, quelques robots de nettoyage. Ouais, je peux pas les mettre en face. Bon. Après, je peux en mettre d'autres, hein. Si. C'est vrai qu'on a vu très peu de déchets. On a vu très peu d'endroits où il y avait des. Dans l'ensemble, nos salariés sont pas trop maladroits, ils renversent pas trop de tasses de café, ce genre de choses. Oui, ici, c'est normal. Mais dans d'autres parties, moi, j'ai vu. Sans déconner, à chaque fois qu'ils allaient chercher un café ou un gobelet d'eau, ils le renversaient, quoi. C'était un peu débile. Il reste une fonction de jeu, là. Elle a été augmentée. Développer ça, les mecs. Vous, les gugus, là.
Ouais. Bon, on va remettre à jour le moteur d'adresse du coup. Ouais, faut que je pense que la convention, c'est là dans quelques semaines. Du coup. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ressors encore des. Ouah, c'est pas. En vrai, je vais laisser. Tant pis, je vais les accumuler. Hein. La liste des RICOM, je vais la laisser augmenter. Parce que là, clairement. C'est pas nécessaire, quoi. C'est pas ce qui rapporte le plus, sans combler ça. En vrai, on va laisser tomber l'idée. Ça a été pratique un petit moment pour nous, nos jeux. Mais faire des RICOM sur les autres jeux qu'on sort, ça. Ben, c'est moyennement pertinent, en fait. Ok. Donc on va sortir. Voilà, on va. On a quelques jeux là, peut-être qui. Attends, Project Fear, tout ça, ça a été. C'est raide. Hein. Bah vas-y, on va sortir les trois jeux. Alors Mass Effect, vu le merdier que c'est, par contre, je vais le sauter. À faire ces jeux-là. Bon, 5 millions. Ouais, let's go. 1 700 000. On verra. Est-ce que je l'achète tout de suite? Mais en vrai, là, la liste, elle est. Y a plus grand-chose, hein. Vas-y, je la rachète tout de suite. Au niveau des filiales, je vais juste mettre les paramètres. Et puis ben on va laisser couler comme ça pour le moment parce que j'ai pas assez d'argent pour upgrade mes nouveaux achats là. Ben, heureusement que l'argent ça va vite. Bon. Ah cool, on a encore un jeu de l'année. Peut-être sortir les gothiques quand même. C'est pas ce qu'il y a de plus, mais.
Hop, filiale. Bon, ça va, on va pas dépenser trop de pognon là-dedans. En vrai, ils sont tous éditeurs-développeurs maintenant. Donc, y a plus de simples développeurs. Ils sont tous éditeurs et développeurs. Du coup, let's go, hein. Rapidement ça. Pas de MMO, pas de FPS, pas de add-on. Tu ne fais pas de jeu à petit budget. Et pour le reste, tu es libre. Ok. Attendez, il y a un truc que j'ai peut-être pas vu. Attendez. Allez, taille de jeu, triple A. Voilà, ok. Ok, allez. C'est reparti pour une vague de jeu, je le sens là. Non! Vous avez appelé un jeu comme ça? School Days? Alors pour ceux qui ne sauraient pas, School Days, c'est un des animés, un des mangas animés les plus nuls qui existent. Franchement, si vous voulez vraiment voir un navet en termes de manga animé, School Days. C'est un des pires. Enfin, c'est le pire. En vrai, c'est le pire, je crois.
Ça défile moins là au niveau des jeux là, c'est chelou. Pourtant j'ai plus de filiales. Oh merde, je suis là. Bon. Je m'occupe de ça rapidement. Il y a des options de moteur là. Hop, on va faire ça rapidement. Ok. Call the Black Gold Cat. Ok, d'accord, si tu veux. Celui-là, il y a un potentiel. Oh, il va être bien celui-là. Oh, il va être bien celui-là. Civilisation 3. Il va pas suivre. Là, ça ne va pas suivre. C'est bon. Ça a été raide, mais ça suit. Bon, c'est bon, ça a l'air de pouvoir suivre Civilization 3, jeu de l'année. Ouais, mais j'ai vu la note. J'ai vu la note, j'ai fait ok. J'ai fait ok, let's go. Ok. On passe tout au max de ce que de ce qu'on peut. Et en plus, le pire c'est qu'on n'a pas toutes les technologies encore. Donc allez. Ça serait quand même bien qu'on ressorte un jeu à nous, hein. Je dis ça. Il y a des jeux qui galèrent, hein. Il y a des jeux qui... Je galère niveau prod.
Bon. Ah oui, d'accord, je suis à 8 milliards là. Éditeur, développeur. J'aimerais acheter au moins quelques 5 étoiles. Comme ça, eux, je sais que j'ai pas d'investissement à refaire dessus, eux. Donc si je vois un 5 étoiles à vendre, j'ai envie de le prioriser. Parce qu'en vrai, j'ai pas à investir dessus, quoi. Bon. Il me reste 2 milliards et quelques. Allez, nickel. Hop. Hop. Oui, c'est ça. Appliquer. Ok. On est parti. Je suis quand même à 100, 116 millions de frais administratifs mensuels, hein. C'est pas rien, hein. Mais c'est rentable, c'est rentable. Parce que de toute façon, ils sont tous maximisés, du coup, voilà quoi. Ah. Attendez, j'ai un message. Tac tac tac, attendez, hop, vas-y, on va faire ça. Ok, hop, ça on distribue, hop. Nickel, ok, tac tac tac. Il y a ça, hein? Non, c'est pas celui-là. C'est spécial commande. Allons-y, let's go. Luke Newt 3D. Nuke, c'est Nuke, excuse-moi, j'ai mal lu. Luke Nuke 3D, mais c'est... C'est Duke Nukem en fait, non? C'est un truc comme ça, non? Ah, dis donc, vu la note, c'est pas ce jeu-là. Mais, ok. Bon. Eh ben. Zut, j'ai cliqué sur la filiale avant le jeu. Bon, c'est pas grave. Oh, celui-là, il est pas terrible. Moldur's Gate.
Pas mal. C'est Baldur's Gate, hein, évidemment. On a reconnu. Qu'est excellent. Un let's play du 1 sur ma chaîne. Si vous voulez voir. Baldur's Gate, évidemment. Excellent jeu. Très rageant, mais. Enfin, à certains moments. Mais quand la chance est pas avec vous, c'est. C'est un peu la violence, mais bon. En vrai, j'ai l'impression que mes soldes de prod galèrent. Mais elles galèrent vraiment. J'ai tout clignotant en rouge au début de semaine. C'est assez infernal. Heureusement qu'il y a le démat pour compenser les pénuries, hein. Ah, on n'a rien cette année. Bon, ok. Alors, du coup, on a 7 milliards. On n'a pas un dev 5 étoiles qui se propose. Bon. Eh ben, tant pis. Du coup, bon, on va acheter Unisoft. Peut-être qu'on leur fera faire des bons jeux. Vous savez, Ubisoft, hein, c'est. J'ai un passif avec eux. Que clairement, j'ai été très très fan des jeux Ubisoft parce qu'ils sont très très doués pour raconter des histoires. Et ces dernières années-là, depuis Far Cry 3 en gros, ils font quasiment que de la merde. Ils ont pris un tournant franchement qui plaît pas du tout. Et je m'en. Et je vous parle même pas de The Crew. Hein. C'est. J'ai l'impression que le dernier bon jeu qu'ils ont sorti, c'est Shield of Light. Et après, plus rien, quoi. Parce que même Far Cry 3, j'y ai joué. Hein, Et bon, d'accord, ok. Vaas, le méchant, il est charismatique. Mais à part ça, il n'y a rien, quoi. Les seuls trucs à retenir de ce jeu-là, c'est Vaas, le méchant, et comment et la mission où on crame un champ de cannabis au lance-flammes, mais qui est clairement inspiré d'une mission de GTA San Andreas. Et mais la musique de Skillex qui est derrière est cool. À part cette mission-là, je veux dire, c'est la seule mission où, voilà, il y a. Ça sort un peu de l'ordinaire. Mais sinon. School days. Au revoir. J'ai même pas vu combien il avait rapporté. Je crois que j'ai fait une bourde sur les filiales. Je crois que j'ai pas appliqué ma politique sur les derniers que j'ai achetés. De toute façon, on est à 4 milliards, un peu plus même. Du coup. C'est l'heure du rachat.
Sur les 5 étoiles, il n'y a pas de proposition, hein. Ah, dommage, il manque pas grand-chose. Full life 80 à 100%. Ben c'est 85. En vrai, je produis à la chaîne là. C'est la violence, hein. À mon avis, celui-là, il va pas terrible. Ah, si, 80%. Ah, les Merlings. Ok, c'est... Ah, ah, j'ai plus le nom. Du coup, ok. Du coup, il y a ce jeu-là à produire. Ok. Ok. Ok, j'ai deux salles de dispo ici. Bon. Excusez-moi, juste un instant, je coupe, je reprends. Mince. Oh, je suis débile. J'ai oublié de rebrancher mon micro. Ah, je suis désolé. Du coup, je réexplique. Je voulais augmenter mon R&D. Du coup, j'ai carrément re... Ah, je commenterai... Oh, je recommenterai cette partie. C'est pas grave. Je recommenterai cette partie. Je la mettrai dans une vidéo à part et je commenterai. Je suis désolé, ça fait une heure que... Oh, bah depuis l'appel de tout à l'heure, ça fait combien de temps? Putain, ça fait 45 minutes que je parle dans le vide. Ah, je suis désolé. Au montage, j'essaierai de résoudre le problème. Du coup, je sais pas comment je vais organiser ça. Du coup, on va faire un petit bilan. On va faire un petit bilan de ce qui s'est passé. Puisque je sais pas si je vais le laisser au montage ou pas, vous le mettre en accéléré. Je sais pas vraiment comment je vais gérer le truc. Du coup,
Bon, ici on continue nos tambouilles, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir créer des consoles assez rapidement. Parce que là, on est en 2024. Et disons qu'on est en train de même de rater le coche du coup. Du coup, j'ai détruit toutes mes salles parce que je fais plus de développement. Soyons clairs, je ne fais plus de développement. Je ne fais que de la revente des jeux de mes filiales. Du coup, pour le moment, je mets de côté le développement. Du coup, j'ai supprimé toutes les salles de développement. J'ai juste laissé quelques salles pour faire les travaux, pour continuer à monter mon ma mon, mon, mon ma réputation de travail, quoi. Donc ça, voilà. Donc ça, je laisse ça là-bas. Et j'ai fait une énorme salle de recherche sur laquelle je suis en train de faire toutes les recherches de consoles. Voilà, c'est tout ce que je vais. Au niveau de mes filiales, enfin des filiales que j'ai à acheter, il me reste plus que 7. Mais la plupart ont marqué pas de prix de vente. Enfin, ils ont quasiment tous montré pas de prix de vente. Donc voilà, il y en a plus que 6 que j'arrive pas forcément à racheter. Ce sont les 6 mêmes, hein, je suppose. Ouais, c'est ça. Attendez, on a quoi? On a SMK, Minisoft, Qatari. Ouais, c'est les mêmes. C'est les mêmes des deux côtés. Du coup, il y a, voilà. Du coup, il me reste ça à acheter, mais pour le moment, il n'y a pas de, il n'y a pas de prix d'achat. Du coup, pour le moment, ces 6 développeurs-là, ben, je suis obligé d'attendre. Mais en soi, voilà, j'ai pas de problème de pognon ni rien. C'est juste que j'aimerais créer une console. Du coup, bon, on continue les achats-reventes. Bon. Voilà en gros ce qui s'est passé. Après, on se posera la question. Ce sera de savoir si, une fois qu'on aura créé des consoles, voilà, qu'on aura créé no notre console, est-ce que, on reprend le dev ou pas? On peut ne pas reprendre le dev, hein, c'est-à-dire on laisse nos filiales, voilà, fournir du jeu. En vrai, il y a tellement de choses qu'on peut faire. On peut prendre plusieurs voies en fait. Soit on part sur ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire de la revente de jeux, de l'édition, tout simplement, avec matérialisé. Donc ça veut dire qu'on a des salles de prod et tout et on se fait pas mal chier à ça et surtout on fait un tri. Ou alors on se fait de l'édition un peu plus sale où en fait on vend tout en démat. En gros c'est Steam. pour faire simple. On accepte tout et n'importe où. Et on vend tout en démat. C'est le modèle de Steam. Pour faire simple, en vrai. Et on ne fait pour le reste que de la relation client. C'est-à-dire que les salles qu'on va créer là, c'est juste des salles de relation client. Pour notre clientèle et on mise tout sur les fans. On peut faire ça. On peut faire également 2-3 bureaux de marketing pour booster 2-3 jeux quand on a envie de booster des jeux, quoi. En vrai, on peut faire ça. En vrai, on peut faire ça. Mais là, on change carrément de jeu, quoi. Enfin, on change carrément de mode de jeu, quoi. On vire le stock. Plus de stock. On fait que de la vente avec un peu de marketing, quoi. Avec un peu de marketing et surtout de la relation client, quoi. Parce que pareil, hein, relation client, là, y aurait moyen de faire des trucs assez sympas, mais et on garde le strict minimum en salle. Oh, tiens, d'ailleurs.
Ouais, je vais manquer d'un petit peu de personnel. Mince, parce que je voulais. On va embaucher du monde. On va tout prendre. Alors ça, c'est non. C'est non, c'est non, c'est non. C'est non. Allez, 11 personnes, on embauche. Ok, en gros, il n'y en a qu'un qui sait pas quoi faire. Bah, des os, hein. Ok. C'est quoi ce truc? On va le vendre en des maths. D'accord, c'est un grand classique. Ouais, bah tu peux en des maths. Hop. En vrai, je vais faire ça. Mais tous mes gothis, là, tous mes trucs comme ça, je vais les envoyer en démat. Je vais faire ça maintenant. Tant pis, il n'y a pas de hype dessus. Mais c'est histoire de les supprimer de la liste. Et je vais faire ça maintenant. Je vais faire ça maintenant. On va faire ça ensemble. Par contre, ça va être chiant, ça va être. Ouais, allez, on va commencer par comme ça, c'est pas grave. Ça va nous faire du jeu en vente. Ok. Ah, déjà vendre ça. En vrai, ça se rentabilise, on s'en fiche. Alors, let's go. Non mais vas-y, en vrai on va faire ça. On va vendre les grands classiques. Après il y a les bundles qu'on peut faire aussi hein. C'est vrai que j'ai pas touché aux bundles mais on peut faire les bundles aussi hein. On peut balancer en vrai beaucoup de choses en vente quoi.
Ouais, allez, déjà on va vendre ça. Mais on va balancer de la vente, hein, parce que. Parce que voilà. Et on va essayer, c'est une fois par an, on va dire après chaque ward, de regarder. D'ailleurs, ça doit être là la fin de la semaine, normalement. Non, c'est le 12e mois. On va voir s'il y a des. Comment? Oh, zut. Des studios qui accepteraient de se faire racheter. Voilà. Hop, là, c'est The Ward. Ok. Et du coup, je vais aller voir si je peux racheter maintenant. Au moins un dev, au moins un dev. Non, pas de prix de vente. Ça fait chier ça, hein. Il y a. Je sais pas s'il faut passer une certaine année. Mince, j'ai mis à la semaine prochaine. Hop. Attendez. Est-ce que je peux pas mettre... Ouais, comme ça au moins je peux...